Voilà, je vais ouvrir un document pour vous montrer ça. Donc, je suis là dans IDZS, donc IDZS Sénégal. Et là, je choisis comme, par exemple affichage pédagogique au CI. Donc, je clique, je l'ouvre. Et voilà, dans ces affichages-là, vous avez images, vocabulaire CI. Je m'appelle, ça c'est les mots d'acquisition, les étiquettes acquisition globale, ligne ouverte, ligne fermée, prénom et tout ça, notion d'ensemble, comme par exemple celle-là. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc j'utilise WPS Office. Et voilà, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, vous regardez, et je vais ouvrir ce document-là. C'est un affichage pédagogique pour la classe de CI. Et voilà, donc vous avez ça. Donc ici, vous avez ça. Voilà. Voilà. Donc au CI. Voilà, ça c'est sur les ensembles. Au CI. Donc voilà, ça c'est la planification. Donc, je peux vous montrer que je me base sur le guide. Ça, c'est une page du guide pour montrer. Donc, je me base sur le guide pour faire ces affichages-là. Ensuite, je vais aller ouvrir un autre document pour vous montrer. Je vais lire un autre. Voilà, je reviens sur affichage pédagogique SEM2. Voilà, celui-là, voilà, ça c'est l'agriculture, l'armée nationale par exemple, ou bien la traite négrière, le drapeau, les angles, les colonisateurs, les êtres vivants par exemple. Je clique là. Voilà pour les êtres vivants. Voilà, c'est voilà. Donc, pour les êtres vivants, vous avez les affichages sont là. Voilà, les affichages sont là. Les vivipares, les insectes, voilà. Ça, c'est des. Voilà. Bon. Je peux retourner encore. Donc, c'est beaucoup de documents en tout cas qui va vous intéresser. Je reviens maintenant sur les fiches. Si vous venez là, les fiches. C'est mon CB. Voilà, vous avez ici activité de mesure, résolution de problèmes, activité géométrique, activité numérique jusqu'à vocabulaire. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc la grammaire est là. L'activité numérique. Voilà. Voilà. Après ça, vous avez les fiches révisées. Les fiches révisées au SEM2. Voilà, donc.